Madame Pendambo, historienne du Moyen Âge musulman sur les questions de société et particulièrement de l'esclavage et la question intellectuelle, mais aussi une grande militante de la société civile, présidente du mouvement citoyen, le premier mouvement citoyen. Donc la citoyenneté se situe au cœur de tout ce que je fais. J'ai été agréablement surprise par cette initiative, mais aussi la prestation des jeunes et le niveau. Quand j'écoute les questions qui ont été posées, ça a été une excellente initiative de réfléchir sur la question de la mémoire, la transmission et l'enseignement supérieur, qui se situe, à mon avis, au cœur de la citoyenneté. On ne peut pas ne pas tenir compte, justement, du rôle que l'esclavage, comme la colonisation, ont joué dans notre vie. Qu'on le veuille ou non, ce sont des moments extrêmement importants qui ont déterminé un peu l'avenir de ce continent. Et il nous faudra d'abord connaître ce qui s'est passé, transmettre la bonne information, l'information juste, et former les citoyens aussi à s'accaparer de leur histoire pour construire l'Afrique de demain à travers une vision panafricaniste, mais aussi une vision où on a renoncé à toute forme de racisme, de discrimination et de complexe par rapport à l'autre. Et que demain, au rendez-vous du recevoir, que nous puissions y partir et participer sans complexe aucun.